Bonjour à tous, c'est Malik Kali du blog Écrivain en devenir. Je vous souhaite la bienvenue sur cette interview où je me trouve aujourd'hui avec Joël Verbrugge, qui est... Bonjour. Bonjour. Donc Joël est juriste, photographe et également elle édite de nombreux ouvrages. Enfin, elle publie de nombreux ouvrages. Et elle possède également un blog sur donc tout ce qui est droit et photographie. C'est bien ça, C'est Joël? ça, drôlephotographie.com. Et tout bon. Donc voilà, aujourd'hui je me trouve avec Joël parce qu'elle publie donc deux livres en même temps, ce qui est ma foi assez En même temps, ils allaient exceptionnel. bien ensemble, donc Ouais, non, c'est c'est vrai. juste faciliter la vie, sinon elle m'écrit tout le temps en disant « Est-ce que votre livre concerne aussi ça et ça? » Donc pour me faciliter la vie, j'ai sorti les deux d'un coup. Ouais, c'est vrai que... Et puis c'est vrai que c'est bien vu de les avoir séparés. Donc je vais donner les titres. Ouais. Ouais. Donc le premier, c'est Mon éditeur et moi, qui se focalise sur l'édition, je dirais, classique, traditionnelle. Et le second, c'est J'édite mon livre tout seul. Donc, comme le livre, comme le titre le suggère, donc c'est pour ça que je L'auto-édition. souhaite, voilà, pour l'auto-édition. Donc, Joël, merci d'être ici. Ben, merci, oui. Donc, c'est un plaisir de te recevoir. Du coup, comment ça va, toi? Bien, bien, bien. Moi, je suis au Pays Basque, tout va bien. Impeccable. Ça Ouais. roule. Ça va, il fait beau, t'as beau temps, tout se passe bien. Là, aujourd'hui, ça va. Là, ce matin, c'était la grosse pluie, mais là, c'est beau, ça se dégage. Donc, en même temps, je suis devant mes dossiers, donc il peut pleuvoir. Hein. C'est pas grave. Ok. Donc, est-ce que tu veux prendre quelques temps, quelques secondes pour te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, donc en fait, comme tu l'as dit déjà, t'as débroussaillé le terrain. J'ai deux casquettes. J'ai une casquette d'avocate au barreau de Bayonne et j'ai une casquette d'auteur photographe, donc sous un statut d'artiste. Et entre ces deux professions, j'ai créé depuis 2009 ce blog, La Droit et Photographie, qui apparemment répondait à un besoin parce qu'il a vraiment très vite et très fort marché. Donc j'ai commencé par rédiger des articles dans une revue qui s'appelle Compétences Photo, où je rédige toujours d'ailleurs. J'ai commencé par sortir deux bouquins chez eux qui sont mis à jour et qui sortent régulièrement. Et puis, chez le nouvel éditeur, j'ai créé cette collection qui s'appelle Checklist. D'accord. Donc, Checklist, mon éditeur et moi, Checklist, j'édite mon livre tout seul. Où il y en a un premier d'ailleurs sur les photographes de mariage, ici en avril. Et ça, ce sont des livres dont vous êtes le héros, on va en parler. Ouais, donc ouais, c'est génial. Vraiment, j'ai vraiment. On va dire faire entrer la photo dans mon cabinet parce que j'ai plus que des dossiers qui traitent de photos d'une manière ou d'une autre, sous un angle ou un autre. Et en même temps, j'essaie de jouer cette interface pour expliquer le droit aux photographes ou aux utilisateurs d'images. Et ici, les deux bouquins dont on va parler, ils concernent vraiment tout le monde, hein. C'est pas que les livres photos, c'est les romans, les récits, les guides touristiques, tout ce qu'on veut sous forme de livres, même de livres audio d'ailleurs, c'est pareil. Donc ça concerne vraiment tous les publics, quelle que soit la forme d'édition choisie. Oui, donc Voilà. on est d'accord, c'est pas réservé juste aux Non, photographes. non, non, du tout. C'est vraiment le roman, le récit historique, le récit familial, la biographie, Oui, parce le que tu livre cites. d'art, la BD, tout. Ouais, tu cites beaucoup de trucs, notamment ouais, la BD, tout ça. Oui, c'est Mais vraiment, en c'est fait, c'est tous les vraiment pour tout le projets, monde. voilà, tous les projets éditoriaux de livres et même livres électroniques, évidemment, et livres audio, ça pourrait être la même chose. C'est vraiment, ça concerne tous ceux qui veulent être édités ou s'éditer eux-mêmes. C'est un public beaucoup plus large que ce que je dis généralement. C'est pour ça que je suis très contente de cette interview que tu me proposes de faire parce que ça va me permettre aussi de toucher des gens qui n'ont pas l'habitude de lire mes contenus, alors que certains d'ailleurs pourraient les intéresser aussi, Ouais, parce que c'est pas le public auquel je m'adresse généralement. Donc voilà, c'est très bien. On va allier nos deux publics. Mes lecteurs vont te découvrir et inversement. C'est cool. non, mais c'est cool. Et je pense que ouais, je pense que ça va leur apporter beaucoup parce que donc ces deux livres du coup qui permettent aux gens qui souhaitent écrire ou qui ont déjà leur livre qui est déjà prêt. De pouvoir se lancer, je pense, quelque part en toute sécurité, parce que du coup, tu décris vraiment en détail tout ce qu'il faut faire pour du coup bien se préparer quand on veut s'éditer, que ce soit chez un éditeur classique ou en auto-édition. Et donc, on va voir qu'il y a plein de choses auxquelles il faut faire Ouais, il y a plein de attention. pièges, il y a plein d'idées reçues aussi, d'idées reçues qui, voilà, même fiscalement peuvent avoir des grosses conséquences. Ouais, Et c'est clair. ma première optique, ça a été d'expliquer de manière clair et lisible. Ça, on va en reparler aussi. J'ai choisi une petite forme originale. Ouais, effectivement, ouais, c'est très clair parce que, ouais, du coup, c'est vrai que ça peut effrayer un peu tout ce qui est droit et tout ça chez les gens. Et comme on disait un peu plus tôt,
C'est vrai que souvent, ils attendent d'avoir les problèmes pour s'y Voilà, consacrer. exactement. Et moi, ce que je veux faire, c'est ça, en fait. Je m'aperçois qu'en fait, comme avocate, je préfère de loin la prévention et la rédaction de contrats, etc., dans mon cabinet, et le côté formation et apprentissage. Je préfère de loin ça, au litige aigu. Donc, en fait, quand j'interviens à des endroits, c'est toujours, que ce soit dans mes livres, dans les conférences ou les formations, c'est toujours pour essayer de dire aux gens, mais vous pouvez éviter, ou en tout cas limiter sérieusement les risques de conflit en faisant de la prévention, en agissant comme ci ou comme ça, et en essayant de blinder vos contrats déjà dès le début, en ne commettant pas certaines erreurs. Et en fait, c'est ce que je fais dans ces bouquins-là. C'est d'essayer de préparer une voie, peut-être pas royale, mais une voie beaucoup plus facile, où les gens n'ont plus qu'à suivre mon petit schéma, déjà pour visualiser que le parcours il n'est pas si compliqué, et puis en même temps pour visualiser où sont les pièges et où ils doivent passer un peu plus de temps pour s'informer ou pour préparer le terrain, quoi. Et je crois que c'est pour ça d'ailleurs que la collection marche bien, parce que ça répond, voilà, sans doute que ça répond à un besoin de pas devoir trouver des infos dans 500 pages de bouquins super arides. C'est Ouais, pas. complètement. Ouais, puis au Ouais. moins c'est ciblé. Ouais, d'ailleurs, du coup, ouais, on va en revenir à cette édition de checklist. Donc, je mettrai le sommaire des deux livres pour que les gens voient. Mais c'est vrai que c'est vraiment quoi, ce principe Des livres de dont vous êtes pouvoir. héros. Ouais. Ouais, moi je faisais ça quand j'étais ado, j'en lisais beaucoup. Et c'est vrai que j'aimais ça. Rendez-vous en page temps, Mais voilà. en fonction du choix que vous faites, vous pouvez aller vous diriger. Et du coup, ouais, c'est vrai que Puis t'as vu dans la version e-book, en plus, les liens sont cliquables. ouais, les liens sont Donc, cliquables. bon, forcément, papier, ça marche pas, mais dans tous les deux cas, c'est forcément présenté pareil. Mais à la fin d'une section en version e-book, c'est je pose une question et en fonction de la réponse, ben, on clique et hop, on arrive directement à une autre section. Et ça, peut-être que ça rend le droit un peu ludique. En tout cas, moi, je me suis amusée à le faire. Ah ouais, non, mais du coup, ouais, ça facilite vachement la lecture. Et puis bon, du coup, on n'est pas obligé De tout lire. de voilà. Voilà, non pas que le contenu soit pas intéressant, hein, mais c'est vrai que Non, mais de toute façon, ça le donne de la contenu n'est pas clarté. intéressant pour tout le monde à tous les Ouais, moments du projet. c'est ça. Donc c'est ça aussi, c'est qu'avec la partie visuelle, dès le moment où il arrive à un certain stade de son projet, même s'il a tout lu avant, le lecteur, il peut se dire, OK, j'en suis là dans mon parcours, je visualise bien tout ce qui me reste à faire, et j'en suis là, et je relis là pour pas oublier ce sur quoi on a tiré mon attention, quoi. C'est vraiment le but du truc, hein. À la rigueur, ça m'est égal si on lit à l'envers, dans le bon ordre, dans le désordre. Le but, c'est qu'à n'importe quel moment, on puisse retomber sur ses pattes en voyant ce qui nous manque comme info, quoi. Et là-dessus, apparemment, pour l'instant, ça marche. Donc, Ouais, non, mais c'est très clair. J'ai lu les deux, et du coup, ouais, ben moi j'ai appris des trucs par rapport à l'auto-édition, et bon, on en reparlera un tout petit peu après, mais c'est vrai que bon, du coup, pour mes prochaines publications, je pense que je repenserai 2-3 détails et je ferai quelques modifications. Donc, ouais, je pensais m'y connaître pas trop mal au niveau de l'auto-édition, mais c'est vrai que j'avais complètement négligé toute cette partie juridique. Et je pense que vraiment c'est très important parce que ça peut, comme tu dis, c'est un peu le principe Ah de ben c'est vrai que si vos on fait prélire un vos best-seller gérer. qui se vend super bien et qu'après on a un super redressement fiscal, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, c'est clair. C'est un peu Pardon. dommage. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux me dire en fait comment cette idée de livre dont tu es le héros, elle t'est venue, l'idée de ce format et Alors bon. c'est un brainstorming avec l'éditeur, parce qu'en fait en janvier, chez le même éditeur, j'ai publié un autre bouquin qui était plus classique, qui est celui-là, Le photographe et son modèle. D'accord. C'est un sujet qui est très compliqué, justement, le statut des modèles d'art et des mannequins en France et les relations droit à l'image, droit d'auteur avec les photographes. Donc là, c'était vraiment plus orienté photo et modèle, en l'occurrence. Là, c'est Et le ciblé. bouquin, comme il était sur un sujet très compliqué, il a démarré lentement. Alors là, maintenant, ça va beaucoup mieux, mais il a démarré très lentement. Et on s'apercevait dans les commentaires qu'on recevait des lecteurs, ah non, 300 pages, déjà le sujet est compliqué, j'ai pas envie, machin. Donc les gens, qui pourtant étaient baignés dans la photo avec modèle d'art sans arrêt, qui savaient qu'il y avait des dangers, il y a des très gros dangers juridiques parce que la matière est vraiment mal fichue dans la loi, ils ne voulaient même pas lire le bouquin alors qu'ils étaient vraiment directement concernés parce que ça leur paraissait trop long. Donc on s'est dit, c'est trop bête, là, c'était un bouquin énorme, enfin un travail énorme que j'ai fait pour le préparer parce que précisément c'est difficile. On s'est dit, c'est trop bête, ce travail-là, il est à disposition et les gens n'en veulent pas. Enfin, à ce moment-là. Et donc, en faisant une petite réflexion avec l'éditeur, on s'est dit, OK, on va changer de technique, il faut du guide plus petit. Alors là, ça, c'est pas nouveau, des guides petits, pratiques, dire qu'il y en a plein dans plein de collections, donc il fallait qu'on arrive à se démarquer un petit peu. Et c'est l'éditeur qui a eu l'idée de ce parcours fléché,
D'ailleurs tellement bien qu'au départ le premier que j'ai fait, en fait je n'ai fait que mettre la table des matières mais sous une autre forme et ça allait pas, c'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Et donc on l'a fait travailler ensemble, le premier sur le photographe de mariage. Et dès le moment où moi j'ai compris comment le mettre en forme, parce qu'à la différence de toi, moi j'en ai pas lu des livres dont vous êtes le héros. Je savais comment ça marchait, on va dire dans l'absolu. Mon frère en lisait pas mal, mais moi ça m'a jamais tenté. Donc j'ai pas pris cette habitude de raisonner de cette manière-là. Donc j'en ai acheté un justement pour voir un peu comment ça fonctionnait. Je l'ai lu. Et puis à partir de là, j'ai retravaillé ma table des matières du premier sur le mariage pour justement arriver à cette. Alors ça restait un parcours plus linéaire parce qu'il fallait le mettre sur la table des matières, mais en même temps, j'ai pris l'habitude de refaire ces renvois d'une section à l'autre. Et voilà, et puis après c'est né comme ça. Et en fait, la première table des matières là, pour le mariage, j'ai mis une journée à la faire, je crois, ou même 2 jours. Et là, tous les bouquins que j'ai en projet, dès que j'ai l'idée du bouquin, je la laisse mûrir un petit peu. Et quand je vois bien dans ma tête comment je la fais, quasiment en 1 heure, le truc, il est fait déjà sur papier. Et après, je le mets sur mon logiciel de PAO et puis ça va tout seul, quoi. C'est D'accord. vraiment un coup à prendre, quoi. Pour un juriste, en tout cas, et moi, je suis pas très visuelle pour ça, c'était pas évident au départ, mais maintenant que le coup est pris, finalement, c'est dès que le travail de création du plan est fait, en réalité, après, l'écriture va beaucoup plus vite, par contre. Ouais. C'est vrai qu'avoir un plan, c'est quand même essentiel. Voilà, Parce que alors c'est oui, essentiel, mais souvent. ce qu'il y a, c'est que quand on fait des études de juriste, les plans, ils sont plutôt assez arides, alors 1.1, 1.1.2, enfin, tu vois, des Ouais. trucs. Ça, c'est plutôt de la littérature de juriste, ça ne nous perturbe pas, mais je peux comprendre qu'évidemment, pour un lecteur qui n'est pas juriste et qui n'a pas envie de se taper de la théorie, etc., ça ne va pas. Donc là, j'ai vraiment pris le contre-pied total en me disant, OK, je vais faire le truc vraiment visuel et qui soit vraiment pratique et utilisable comme ça, quoi. Donc ça m'a demandé un peu d'adaptation, mais en fait je suis très contente d'avoir fait le travail parce que maintenant ça m'aide pour autre chose. Donc ça veut dire tous mes bouquins seront passés dans cette collection-là. J'en ai d'autres en préparation dans la même collection que le modèle là, mais en D'accord. même temps pour cette collection de checklist qui par contre grandit très bien, là il y a d'autres auteurs qui sont en train de nous rejoindre sur d'autres secteurs qui sont pas dans mes compétences. Mais par contre chaque fois je les aide un petit peu, c'est-à-dire qu'au début D'accord. Ils arrivent avec leur plan, ce qu'ils veulent mettre en forme. Alors pour l'instant, c'est que des juristes, donc c'est facile, on parle le même langage. Et donc, avec leur plan, pendant quelques heures, on travaille sur la création du parcours. Et après, je les laisse écrire, et puis le reste, voilà quoi. Mais c'est vrai que c'était une chouette démarche intellectuelle, et puis comme je m'aperçois que ça plaît, ben, voilà, je suis contente de l'avoir faite, et puis là, on va améliorer, persévérer, et puis varier les sujets, parce que là, j'ai. Facilement, rien que pour moi, une quinzaine ou une vingtaine d'ouvrages en projet déjà. Ah oui, d'accord, ah, ça va. Ouais. Mais dont certains, d'ailleurs, la table des matières est toute faite, mais voilà, il faut juste que j'ai le temps d'écrire. Ah, mais c'est vrai qu'après, ouais, c'est plus le temps qui manque que les idées, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Les idées, si je l'écoute, j'en ai 3 par jour, des bouquins. Mais Ah, voilà, mais du il faut coup, ouais, c'est commencer pour bien. ceux qui intéressent beaucoup de monde aussi, et puis pour faire grandir cette collection très vite, quoi, pour que après il y ait cet effet de collection qui fait que. Petit à petit, bah, les gens découvrent un parce qu'ils en ont découvert un autre, et puis tout d'un coup, ouais, il y en a plein de monde, en fait. Ah ouais, non, c'est bien, ouais. Et puis en plus, tu peux couvrir plein de sujets comme ça, je pense que ça aidera beaucoup de gens Ouais. dans plein de domaines. Tout à fait. Là, vraiment, bon, moi, je vais creuser tout ce qui concerne ma partie, parfois à 4 mains, d'ailleurs, sur des sujets D'accord. où je peux être justement complémentaire avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes compétences que moi. Et après, par contre, il y a des sujets qui sont vraiment totalement laissés à d'autres auteurs. Je vais juste expliquer ma méthode de travail au début, donner un coup de pouce pour le schéma, et après, il se débrouille, quoi. D'accord. Ouais, donc maintenant tu coaches même les autres auteurs sur cette méthode, Mais en fait, quoi. l'éditeur, c'est un ami au départ, et puis D'accord. il a vraiment créé cette maison d'édition pour moi. Et en Ok. fait, on grandit ensemble. C'est-à-dire que lui, il apprend son métier d'éditeur en même temps que moi, j'apprends, en même temps que moi, je développe cette partie-là. Ok. Et donc, c'est très intéressant parce que ce que lui découvre du monde de l'édition me permet aussi d'adapter, moi, mes contenus. Et voilà, on grandit ensemble, quoi. C'est très chouette. C'est une chouette expérience. Ouais, mais j'imagine, ouais, ça doit. Donc, pourquoi pas coacher quelqu'un d'autre juste sur cet aspect-là. J'ai pas beaucoup d'avance, mais l'avance que j'ai prise, autant qu'elle serve, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Ouais. Ouais, et puis c'est toujours bien de partager après ses expériences avec les autres pour que Oui, surtout que tout ça le va monde puisse permettre de faire grandir. grandir la collection aussi, quoi. C'est que Ouais. chacun va y apporter sa petite pierre dans les domaines où il est compétent, et ben ça va faire au final un truc avec une belle unité graphique aussi, parce que les couvertures, là, la première couverture du truc sur le mariage, du livre sur le mariage, elle était un peu différente. Et quand on a vu que ça partait vraiment bien et qu'on voulait en faire une collection, ben là l'éditeur il a remanié la couverture pour avoir un truc un Ce soit peu homogène, dans le quoi. style des deux que tu avais eu là. Ouais. Avoir vraiment toujours cette charte graphique externe qui est la même.
pour que ça soit vraiment bien identifiable. Et puis c'est chouette, ça donne un petit côté ludique, un petit côté pictogramme, c'est assez rigolo. Ouais. Bon, du coup, là, je ne les ai pas sous la main, donc, puisque j'ai Ben, trouvé le attends. PDF, Voilà. Donc, voilà les deux dont on parle aujourd'hui, avec mais... cette petite unité graphique qu'on va retrouver sur tous les ouvrages de la collection, en fait. Voilà, des petits checklists, comme Ah, l'indique, c'est vraiment ça, et hop. l'éditeur d'ailleurs il insiste pour qu'on communique bien sur la notion de checklist, parce que d'une part c'est ce Faire une qui fait la différenciation, collection. ouais. Voilà. Et alors à la fin d'ailleurs de chaque bouquin, on en reparlera peut-être après, mais il y a vraiment une checklist personnelle, c'est-à-dire où la personne qui a son projet peut au fur et à mesure où elle évolue elle-même dans son projet, cocher toutes les cases au fur et à mesure que ça avance, quoi. Ouais, ça c'est vrai que c'est bien de l'avoir, Ah, ça c'est tant qu'à cool. faire du checklist, autant le faire à fond, quoi. Non, mais en plus, ouais, c'est pratique comme ça, au moins, ça permet Ouais. de et de voir Voilà. qu'on avance et de Exactement. savoir Et à ce qu'il quel reste endroit à on faire, pas avance. oublier une étape. Ouais. Ouais. Ouais, non, mais c'est vraiment bien. Moi, j'ai découvert ça là, du coup. Mais franchement, ouais, j'aime bien le concept et je trouve que c'est. Et ça rend le droit clair, parce que c'est vrai que Oui, parce qu'en en fait, général, on n'a voilà, même pas envie de se c'est planter, quoi. pas toujours compliqué, mais le problème, c'est que les gens n'ont pas spontanément l'envie de s'y plonger, ce que je peux comprendre, hein. Moi, j'ai pas envie de me plonger dans les maths et dans la neuroscience non plus. Ouais. Mais en même temps, le problème, c'est que le droit fait beaucoup plus partie de notre vie quotidienne que certaines disciplines scientifiques, quoi. Ah oui, non, mais c'est clair. Et dès le moment où on a un projet comme ça, ben, qu'on soit dans une édition classique où il faut parfois un peu se défendre contre un éditeur ou simplement bien comprendre ce qu'il nous demande, ou bien dans l'auto-édition où ça applique encore beaucoup plus de choses, ben, D'accord. ça vaut le coup de se plonger un peu avant, quoi. On D'accord. revient toujours à la prévention. Ok. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail, si tu veux bien. Donc il y a les deux livres. Il y en a un qui est pour l'édition, donc mon éditeur et moi, et l'autre qui est pour l'autopublication. Je publie mon livre tout seul. Donc Oui. c'est deux processus distincts puisque tu fais deux livres séparés. Mais donc pour toi, déjà pour toi, est-ce qu'il y a une voie qui est meilleure que l'autre? Est-ce qu'il y a un ordre à respecter? Ou est-ce que vraiment ça dépend Non, je crois, des alors gens? c'est vraiment d'abord deux démarches différentes. Dans mon éditeur et moi, on est dans le code de la propriété intellectuelle. Le D'accord. contrat d'édition, c'est un des contrats qui sont les plus protégés en droit, parce qu'on considère qu'il faut protéger l'auteur contre l'éditeur, dans l'esprit du législateur, et parfois d'ailleurs dans la réalité, c'est pas faux. Et donc, tout est fait de telle manière que l'auteur soit protégé quasiment à tous les niveaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait son travail et qu'il peut faire n'importe quoi. Ça veut dire juste que s'il fait bien son travail, qu'il rend le manuscrit dans les délais, etc., tout est fait quand même pour que l'éditeur, il ait des obligations de rendre des comptes, des obligations de publier, des obligations de faire la promo, etc. C'est aussi pour ça que, on va dire financièrement, un contrat d'édition rapporte moins à l'auteur qu'un contrat d'auto, enfin, qu'une auto-édition. Parce que l'éditeur, quand il fait bien son travail, il a derrière un gros travail de promotion, forcément de coûts d'impression, etc., de diffusion. Quand un éditeur passe par un diffuseur, ben, il y a déjà une partie du prix de l'ouvrage qui va pour le diffuseur, qui va distribuer les livres un peu partout chez les libraires. Donc ça implique la mise en œuvre tout un processus de distribution qui forcément implique du temps et des moyens. L'avantage pour ça, de ce côté-là, c'est que l'auteur n'a pas à se préoccuper de ça. Lui fait son bouquin, il rend son truc, et quand tout va bien, une ou deux fois par an, il reçoit un relevé avec des droits d'auteur. Ouais. Oui, mais Voilà. contrairement à ce qu'on pense ou à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas l'éditeur qui se gave et qui laisse juste des miettes à l'auteur, c'est il prend à peu près quoi? Il prend Voilà. 20% l'éditeur, on va dire, en De général. mémoire, je ne sais pas exactement. Ce qu'il y a, c'est que l'auteur, lui, il est payé invariablement un pourcentage du prix hors taxe du livre. Ouais. Ça, c'est la règle. Ce pourcentage, il va varier. Ça peut aller Ouais, si ça dans c'est une fourchette qui va de 6 à 12 dans le meilleur cas pour 12, hein. En Ouais. général, c'est plutôt Oui, 6 à c'est 8 des ou auteurs 10. qui sont déjà établis, c'est ça, Voilà. Et ça veut qui dire ont déjà. que, de fait, forcément, sur un gros bouquin, il ne va pas toucher beaucoup. Maintenant, il n'aura pas non plus à se préoccuper de la diffusion, de l'impression, s'il y a un problème avec l'imprimeur, c'est pas son business, de la diffusion, s'il y a des commandes qui sont pas livrées pour une commande d'un libraire ou quoi, pareil, c'est pas son business. Lui, il écrit, il rend son bouquin et après, il touche des droits d'auteur. Mais ça veut dire aussi que, bien souvent, en pratique, ben, l'auteur, il est un peu démuni par rapport à l'éditeur. S'il a un éditeur qui fait très bien son travail, ça va. S'il a un éditeur qui, par contre, n'est pas sérieux, qui diffuse pas le bouquin, ben là, il est lié par un contrat d'édition, il ne peut pas aller le publier ailleurs, mais en même temps, son bouquin, il n'est pas diffusé parce que, dans mon exemple, l'éditeur n'aurait pas fait son boulot. Ouais.
C'est aussi pour ça que le législateur le protège. Parce qu'il sait très bien que c'est la partie économiquement faible dans le contrat. Et que, alors c'est clair que si on a un auteur à succès, hein, Marc Lévy, Guillaume Musso, le futur Malik Kali dans quelques années, ça se négocie autrement. Là, l'éditeur, il a besoin de l'auteur, ce qui fait que forcément, il va le soigner aux petits oignons. Mais ce n'est pas toujours le cas pour tous. Et il y a des éditeurs très sérieux, mais il y a aussi des éditeurs qui le sont moins, ou qui ont tellement de difficultés financières qu'à un moment, ils n'ont plus de trésorerie pour assumer comme il faut toutes leurs obligations, parce que tout ça, ça coûte cher aussi. Hein, c'est aussi le problème des difficultés d'édition, ce qui fait qu'on peut arriver à un moment où l'éditeur ne peut pas ou ne veut pas, ou s'en fiche, ne veut pas exécuter ses obligations, et où l'auteur se retrouve bloqué dans un contrat d'édition, où son bouquin n'est pas bien diffusé, alors que potentiellement, il pourrait bien marcher. Mais qu'en même temps, il ne peut pas le publier ailleurs parce qu'il est lié dans le lien de ce contrat. Donc le but, c'est aussi de le protéger pour que, si l'éditeur ne fait pas son travail, ben, l'auteur puisse demander la résiliation du contrat et aller le faire éditer ailleurs. Ça, c'est toute la philosophie du contrat d'édition classique, avec en plus le fait que fiscalement, c'est plus intéressant et moins compliqué parce que tout le monde peut être édité, on n'est pas obligé d'avoir un statut. Un numéro de tirette à son nom, tout le monde peut être édité par un éditeur. La déclaration des droits d'auteur, elle se fait très simplement dans la déclaration de revenus. Si on n'a pas un statut, c'est très facile. Les charges sociales sont très légères, hein, sur si on prend une profession indépendante, les charges sociales sont environ entre 30 et 40, enfin entre 25 et 45% du revenu. Les charges sociales sur une édition, c'est plutôt de l'ordre de 9%. Ouais, donc hein, ça a vachement plus passé de l'autre côté. Voilà, forcément. Donc ça veut dire que c'est ouvert à tous, on n'est pas obligé d'avoir une structure avec un numéro de Siret, de tenir sa propre comptabilité. Un auteur qui édite juste un ou deux bouquins chez un éditeur, même plus, reçoit simplement ses droits d'auteur. Ouais. Les charges sociales vont peut-être varier en fonction du statut qu'il a par rapport à la GSA, je ne sais pas les détails, mais on n'aboutira jamais au-delà de 20% de charges sociales et la déclaration de revenus va se faire très facilement. Mm-hmm. Donc, on va dire que c'est plus confortable pour ça, c'est moins cher en termes de charges sociales et, bon, les impôts, ça change rien. Mais par contre, l'auteur reste la partie faible dans le contrat et c'est pour ça que le législateur a voulu le protéger. D'accord. Tandis que dans l'auto-édition, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes plus, tu l'as vu en lisant, des contraintes plus strictes pour pouvoir se lancer. Il faut un statut, on considère que c'est du commerce, sauf dans certains cas, mais dans ce cas-là, il faut être vraiment très prudent. Après, en effet, comme il y a moins d'intermédiaires, ben, l'auteur auto-édité peut potentiellement, si son livre marche très bien, garder quasiment la totalité des bénéfices sous réserve, par exemple, s'il diffuse sur Amazon, sous réserve de la commission d'Amazon. S'il envoie chez les libraires, ben là, les libraires, ils ont un prix préférentiel, donc forcément, il aura moins de revenus, mais il n'y a pas 36 000 intermédiaires. L'auteur auto-édité, il va gérer son truc d'un bout à l'autre. Donc, en effet, un bouquin qui marche très très bien en auto-édition peut être pour un auteur, s'il veut en vivre, beaucoup plus intéressant, mais il implique plus taxé. Voilà. Alors en plus, surtout, il n'a pas cette protection du code de la propriété intellectuelle parce qu'il n'est pas considéré comme auteur. Enfin, il est auteur, mais parce que la plateforme, c'est juste un intermédiaire, c'est ça. C'est pas un éditeur. Voilà, la plateforme, c'est juste un intermédiaire technique. Ouais. C'est pas un éditeur. Donc, ce qu'il va recevoir de la plateforme, c'est une grosse erreur. Et c'est une erreur que font beaucoup de gens. Ils vont s'éditer avec une plateforme, que ce soit Amazon ou autre. Hein, parce qu'il y en a plein. Et dire, ah, c'est super, j'ai reçu mes droits d'auteur aujourd'hui. Non, c'est pas des droits d'auteur. Fiscalement, déjà, ce n'est pas des droits d'auteur, c'est des produits commerciaux. Hein, le nom. Mm-hmm. Et puis, vous n'avez pas la plateforme, quelle qu'elle soit, n'assume pas le rôle d'un éditeur. Donc, si l'auteur, dans la formule qu'il a choisie sur la plateforme, il a choisi que la plateforme imprime le bouquin et éventuellement fasse un peu de promo ou le mette en vente sur son site, mm-hmm. c'est tout. Il n'y a pas d'autre obligation. C'est pas la plateforme à commencer à faire la promotion auprès de la presse, à prévoir que le bouquin soit présent dans les salons professionnels où peut concerner le lectorat. Tout ça, c'est pas le boulot de la plateforme. La plateforme, elle est juste intermédiaire technique. Ouais, ouais. Et donc, en effet, le bouquin est à qualité égale. Le bouquin pourrait très bien ne pas se vendre si l'auteur n'a pas derrière lui l'énergie de faire lui-même la promo de tous les côtés. Ouais, le travail qui est à charge normalement de l'éditeur, là c'est lui qui va devoir le faire. Alors c'est un choix, il peut aussi très bien le faire, parce qu'il connaît bien son métier, son sujet, parce qu'il est bien implanté. Si on parle par exemple d'un guide, si je prends mes premiers guides sur la photo, si j'avais que ça à faire, je pourrais très bien faire de la promo non-stop, parce que je connais le milieu photographique, parce que je connais beaucoup de gens. Mais c'est un métier, c'est une occupation. Ouais.
Ah oui, Alors, clairement, ça prend du temps de faire sa ça prend propre. du temps, ça prend les interviews, si envoyer des exemplaires à la presse, si envoyer des exemplaires aux magazines qui traitent de ce sujet-là, si être présent dans des salons, je veux dire, tout ça, forcément, c'est un travail. Hein, donc, ces deux optiques qui sont totalement différentes, avec forcément, du côté d'auto-édition, une protection. Il n'y a pas de protection. Bon, ça marche ou ça marche pas, tant mieux si ça marche, tant pis si ça marche pas. Voilà, c'est... Il n'y a pas cette protection de l'auteur qui est au moins, dans un contrat d'édition classique, qui a au moins un garde-fou que la loi le protège contre les éventuelles inerties ou inefficacités de l'éditeur qui n'aurait rien fait, quoi. Oui, alors là, que là, c'est plus du business direct et c'est voilà. pas considéré du tout comme dans le cadre de l'édition classique. Exactement. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et du coup, ouais. tu parles à un moment donné de... du rescrit, donc oui. parce que donc apparemment il y a des précautions à prendre oui, dans alors, le cas où, soit, surtout dans le cas où ça marche. Exactement. Alors soit celui qui veut s'auto-éditer a déjà une structure qui est commerciale ou artisanale, parce que en fait il faut pas perdre de vue que le fait d'éditer un bouquin et de le vendre, c'est par nature une opération commerciale. Ouais. Or le commerce on le fait pas normalement sans un statut professionnel, sinon ça s'appelle du travail dissimulé. Et du travail au noir, d'accord ? Bon, donc, normalement, pour pouvoir auto-éditer un bouquin, il faudrait nécessairement avoir une structure, commerciale ou artisanale, au moins. Or, l'auto-édition prend tellement d'ampleur que l'administration fiscale admet certaines tolérances. D'accord. Mais les limites de ces tolérances sont très floues, d'accord ? Ça, c'est détaillé dans le bouquin. Ouais. Et du fait que les limites sont très floues, il y a une précaution relativement simple à prendre avant de commencer, si on est tout seul dans son coin à vouloir écrire son roman, son guide touristique, sa biographie ou sa BD, c'est d'envoyer une lettre dont je donne un modèle dans le bouquin à l'administration fiscale dont on dépend pour décrire son projet et pour demander une confirmation de ce qu'on va bien pouvoir considérer ça comme des bénéfices non commerciaux, ce qui nous permettra de le déclarer d'une certaine manière et de rester dans les clous. Et ce qui nous permettra surtout de pas avoir après un gros redressement fiscal. Donc, attendez, vous venez d'écrire le best-seller de l'année, vous en avez vendu 150 000, maintenant, en avant, parce que vous auriez dû faire tout ça sous forme de société commerciale, vous l'avez pas fait, en avant les amendes, et les redressements, et les intérêts, etc. Là, non, en prenant la précaution dès le départ, évidemment, il faut rester dans les clous. Ce qu'on décrit comme projet à l'administration, faut pas changer diamétralement d'optique après, parce que sinon, ça marche plus. Oui, le rescrit ne vaut 20 exemplaires à ma famille, alors qu'on a voilà. 150 000. 20 exemplaires à la famille, c'est même plus l'édition, on n'a pas besoin d'un numéro ISBN, et voilà, c'est juste une diffusion perso, là, on peut faire ce qu'on veut. Mais dès le moment où on est sur une démarche classique, avec un numéro ISBN, avec une diffusion publique, etc., là, c'est vraiment très important de prendre les devants, parce que si on n'a pas de structure, en faisant ça, et en restant dans les limites du projet qu'on a décrit dans la lettre dont je parle dans le bouquin, qu'on a décrit à l'administration, après, l'administration, elle est liée. Si on vous a dit, OK, pas de problème avec ce projet-là, tel que vous l'avez décrit, c'est bon, vous pouvez considérer vos revenus comme non commerciaux, comme des bénéfices non commerciaux, eh bien, on les déclarera de cette manière-là et ça ne pose pas de problème. D'accord. Okay. Et ça, par contre, c'est une démarche personnelle, tout le monde doit le faire, on ne peut pas s'inspirer de... Ah non, du tout, voilà. Le rescrit n'engage l'administration qu'à l'égard de la personne qui a formulé la demande et uniquement pour le projet qui est décrit dans la demande. Donc, c'est pas la peine que les auteurs aient dit « Oui, l'administration m'a dit que je pouvais faire ça, allez-y, faites tout pareil. Ouais. » Non, parce que c'est super dangereux, au contraire. Il y a peut-être plein de projets qui se ressemblent, mais il n'y a jamais de projet totalement identique, il n'y a jamais de situation personnelle totalement identique. Donc, l'administration, elle ne s'engagera, et elle le dit d'ailleurs, hein, quand elle répond à un rescrit, elle ne s'engage que pour la personne précise qui a posé la question et pour le projet précis qui a été décrit. Voilà. Ouais, dès le moment où on sort des clous, ça vaut plus. D'accord. Mais c'est important de le faire, parce que ça peut permettre à l'auteur qui n'a pas envie de se casser la tête avec une structure commerciale, artisanale, et on peut le comprendre, de poursuivre quand même son projet éditorial en auto-édition, tout en restant vraiment bien dans les clous et en se disant « Ok, je ne prends pas trop de risques, quoi. » Ah ouais. Donc, ouais, faut vraiment... Enfin, ça peut éviter de gros ennuis, quoi. Juste voilà. De faire ça, cette petite démarche, qui prend pas... Bah, surtout que là, je facilite la tâche, quoi. J'ai vraiment donné le projet ouais, de lettre qui est tout fait. Il n'y a qu'à leur copier, voilà, décrire le projet. Après, j'explique aussi, t'as vu dans la suite du livre, comment déclarer les revenus qu'on touche
dans le cadre d'une auto-édition, précisément en fonction de son statut. C'est-à-dire soit on a déjà un statut, et alors en fonction du régime fiscal qu'on a choisi, donc j'ai refait un tableau qui a l'air un peu compliqué, mais qui apparemment passe bien, les gens comprennent bien. Ah non, il est assez simple, hein. Enfin, c'est, voilà. Je veux dire, c'est clair, hein, quoi. Et c'est vrai qu'il y a de sacrées différences en fonction des, ah oui, bien sûr. En fonction des choix. C'est... Et puis, certains régimes fiscaux des professionnels vont permettre de déduire tous les frais, c'est-à-dire frais d'imprimeur, de diffusion, de table, de poste, de machin, pour au moins n'être taxé que sur le bénéfice réel qui a été fait, si bénéfice il y a d'ailleurs, tandis que d'autres régimes fiscaux comme l'auto-entreprise ne vont pas permettre cette déduction-là. Donc un auteur auto-édité qui fait ça en auto-entreprise, eh bien s'il a vendu 1000 bouquins, ça lui a rapporté, je sais pas, 4 euros par bouquin, même s'il a eu 75% ou 80% de frais au total, en réalité, il sera quand même imposé sur 50% de ce montant qu'il a retenu. Donc, pareil, ça explique aussi à ceux qui ont déjà une entreprise et qui veulent se lancer dans l'auto-édition, ou dans l'édition tout court, là, ils pourraient le faire pour d'autres auteurs, que ça vaut le coup de bien choisir son régime fiscal, parce que tout n'est pas rentable, quoi. C'est bien d'être un best-seller, mais si en réalité on est taxé sur des montants qu'on n'a plus en main, ça n'a plus beaucoup d'intérêt, quoi. Ah ouais, ça peut même limite devenir dangereux. Ah bah limite carrément, c'est bien d'écrire, c'est bien, mais si c'est pour se manger des impôts sur des montants qu'on a pu garder en main, c'est un peu dommage, quoi. Ah ouais, non, c'est clair. Ouais, parce que notamment, il y a des façons aussi de se promouvoir via des publicités ou... Ouais, ben voilà, ça peut coûter cher. Investissement. Et c'est vrai que si on ne sait pas au départ qu'on ne peut pas les déduire, c'est bien de prendre ça en compte, quoi. Il y a ça, et puis alors, le fait que si on édite que en e-book, c'est une chose, les frais sont quand même limités, il n'y a pas d'impression, il n'y a pas d'envoi, il n'y a pas de frais de diffuseur, il n'y a pas de commission des libraires, etc. Si on édite aussi en papier, et je me suis aperçu en faisant tous ces bouquins qu'il y avait encore autant de demandes papier que de demandes e-book, hein, c'est, d'après mon éditeur, là, c'est quasiment moitié-moitié, même peut-être un peu plus pour le papier, ben, ça fait des frais d'impression. C'est bien, le papier ici, c'est ouais, ben, tant mieux, heureusement d'ailleurs. Ouais, aux États-Unis, c'est plus du tout le cas, mais ici, c'est encore très, très, très présent, quoi. Et donc, il y a des frais d'impression, il y a des frais de port quand on envoie les bouquins, tout ça, c'est des choses dont il faut tenir compte. Parce que celui qui vraiment veut que son livre marche bien, s'il n'en tient pas compte, ben, il se prend un gros bouillon financier, c'est vraiment dommage. Ah oui. parce que plus il y a la rigueur, le bouillon sera d'autant plus important que le livre va marcher. Parce que s'il n'a pas, et j'explique d'ailleurs justement qu'il faut tenir compte aussi du taux de TVA, même si au départ on n'y est pas assujetti, parce que si justement le bouquin marche bien et que ça impose de changer de régime fiscal après, ben, il faut avoir tenu compte du taux avant, parce que sinon on se retrouve à se manger sa marge et à devoir payer en fait la TVA quasiment de sa poche, alors qu'en principe c'est un impôt qui est à charge de l'acheteur du bouquin, enfin tout ça, pareil, j'explique, j'essaie de faire simple, mais je l'explique de manière à ce que les gens fassent les bons choix au moment où ils sont en train de créer leur truc, qui réfléchissent pas au bouquin, au prix de leur bouquin, juste au moment où il faut voir combien de timbres il faut mettre chaque fois que quelqu'un le commande, quoi. Ouais. Et c'est un truc à penser avant, donc c'est pour ça que dans le schéma, je l'ai mis bien au début, quand on a déjà une idée du nombre de pages et tout, pour bien faire les calculs et se dire qu'il y a des choses que l'entreprise va peut-être évoluer, qu'elle soit personnelle ou même plus commercial, et que l'entreprise, elle va peut-être évoluer, et que ça implique des conséquences. Et comme le prix du bouquin, on ne peut pas le changer une fois qu'il est fixé, ben, il faut réfléchir avant, quoi. Ouais, donc, ouais, du coup, je vais revenir sur ça. Donc, du coup, sur l'ISBN, par exemple, moi, je pense notamment à l'auto-édition, c'est, en fait, il y a des choix qui sont possibles. Donc, on peut soit le demander de manière classique, donc c'est une forme, c'est une formalité qui est gratuite, mais qui prend un peu de temps. Voilà. Voilà. Et sinon, il y a carrément, par exemple, Amazon qui propose directement de prendre des ISBN chez eux. Ouais. Et bon, moi, je te dis, pour le premier, je l'ai pris chez eux parce que... Tout le monde le fait pour le premier et après, quand il dit ça, oups, je ne ferai pas pareil après. Non, mais en plus, j'en avais conscience et tout. J'ai hésité. Mais comme je t'ai pris par le temps à ce moment-là et qu'en plus, je suis aux États-Unis... Oui, et puis que tu ne sais pas toujours où chercher, comment faire, etc. Ouais. Et c'est ça que j'ai voulu faire justement, c'est expliquer la procédure d'un bout à l'autre, ouais. Avec capture d'écran et tout, pour bien montrer que c'est pas si compliqué, et là c'est vraiment un guide pas à pas, quoi. Ah oui, mais du coup, tu vois, par exemple, si j'avais eu ton bouquin en main avant de publier, ben j'aurais probablement pris mon propre ISBN, par exemple. Ouais. Parce que c'est quand même ce qui est le plus avantageux avec le recul et tout. Déjà, tu payes pas la prestation technique de la plateforme sur laquelle... Parce que voilà, c'est un service aussi, je disais tout à l'heure,
Les plateformes d'auto-édition en ligne, c'est des intermédiaires techniques. Plus ils vont te proposer des services, plus tu vas les payer, déjà. Ah oui, ça, c'est clair. Donc, ça, c'est une chose. Donc, celui qui est vraiment peut-être ric-rac sur ses budgets, déjà, il n'a pas qu'à le faire lui-même, parce qu'en fait, c'est gratuit. Ouais. C'est pas, ça prend juste un peu de temps, c'est tout. Mais en plus, tu l'as vu en lisant, ça te permet de rester maître de ton ISBN. C'est toi qui est bien à ton nom. Et c'est aussi l'erreur que font certains auteurs auto-édités, qui sont passés par une plateforme qui a fait la demande d'ISBN à leur nom. Ils disent, ah oui, mais non, c'est mon éditeur parce que l'ISBN est à leur nom. Non, non, non. L'ISBN est à leur nom parce qu'ils ont toute une tranche et on va dire un segment de numéro ISBN à leur nom et qu'ils vous en ont donné un parce que vous avez demandé qu'ils vous en donnent un, mais vous l'avez payé, hein, c'est pas gratuit. Alors qu'en principe, c'est gratuit. Et surtout, si un jour vous voulez plus travailler avec cette plateforme-là, eh bien, il faut redemander un ISBN. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, ça veut dire que tout le travail de référencement qui a été fait sur la base de données des libraires, etc., mais il doit recommencer à zéro. Voilà, parce qu'on est obligé de changer d'ISBN. Et du coup, tout est en rapport avec l'ISBN. Voilà. C'est un numéro de série qui est très... Bon, là, j'ai pas tes livres. Je suis désolé, je vais me faire du mien, du coup. Oh, mais il est bien, celui-là aussi. Et en fait, ouais, je sais pas si les gens voient, mais en fait, c'est ce qu'il y a au-dessus du code barre. Et c'est écrit ISBN. Et il y a un petit numéro de série. Et en fait, c'est un numéro personnel, mais personnel pour le livre. Voilà, et en fait, il y a un segment, alors pareil, j'explique, je le décompose bien, en plus ça a changé il n'y a pas longtemps, et même Amazon, au début, ils ont un peu flotté. Il y a un segment qui correspond à l'éditeur, une partie qui correspond au livre en français, maintenant à la France carrément. Voilà, et donc, le numéro ISBN, il va être construit de cette manière-là, donc le segment qui va être donné à l'auteur auto-édité, il aura un segment avec 15 numéros ISBN, et donc, dès qu'il en reçoit son premier lot, il va en affecter un, et pareil, j'explique comment... à son livre papier, un autre à son livre e-book, parce que c'est pas le même ISBN pour les deux. Enfin, c'est construit de la même manière, mais l'ISBN doit être différent selon le support. Et même s'il diffuse en Kindle, en PDF et en EPUB, il doit avoir un ISBN par format. Ouais. Voilà. Et tout ça, j'explique dedans. C'est vraiment du pas à pas. Enfin, t'as vu, hein, ouais. C'est. Non, mais honnêtement, moi, je recommande les deux bouquins parce que c'est vrai que ça peut faire gagner, mais un temps fou. Et en plus, ça évite de faire des erreurs, des erreurs grossières qu'on peut regretter après le temps. Parce qu'il y a, il y a plein de pièges à éviter quand on veut publier un livre. Et au moment où on finit l'écriture, déjà, on en a bavé souvent pour écrire, achever un bouquin. Et derrière, il y a encore tout ça. Et c'est vrai que les gens, des fois, ils ont mis du temps à écrire leur livre. Ils ont passé un temps fou dessus. Surtout avec cette procédure-là, il y a une partie qui peut déjà être faite, le début. Justement, obtenir le numéro ISBN, ouais. Etc. Tout ça, on peut déjà le faire quand on voit qu'on arrive à la fin du bouquin. On n'est pas encore obligé de savoir combien il aura de pages exactement. Et après, il y a toute la procédure aussi de référencement dans les bases de données des libraires. Il y en a une qui est accessible aux auteurs auto-édités et l'autre pas, mais j'ai expliqué les deux, comme ça, ça peut servir à tout le monde. Comment faire? Là, il faut la couverture du bouquin, il faut envoyer à la Bibliothèque nationale, etc. Mais pareil, j'explique, quoi. Il y a même des... Je leur dis même qu'il y a... une gratuité des frais de port pour envoyer à la Bibliothèque nationale, qu'il faut mettre ceci sur l'enveloppe, enfin, ouais. Voilà, c'est... j'ai vraiment fait du... Non, c'est vrai que c'est vraiment concret. Du pas à pas, quoi. Et, ouais. Non, mais du coup, tu penses à... Enfin, il y a beaucoup de pièges, finalement. Mm-hmm. Les gens ne pensent pas souvent à ça, ils écrivent leur livre, et puis après, ils se disent qu'ils veulent le publier, mais ils prennent absolument pas en compte tout ce qu'il y a derrière, finalement. Mmh. Et donc, est-ce que, on a déjà un peu parlé, mais est-ce qu'il y a d'autres pièges qui te semblent évidents et que tu voudrais partager? Vraiment, les pièges fiscaux, parce que même sans aller jusqu'au cas où quelqu'un a un redressement parce qu'il a vraiment bien gagné, qu'il n'avait pas la bonne structure, le premier des pièges fiscaux, c'est que la personne qui s'auto-édite, on est toujours dans l'auto-édition, qui reçoit des revenus de la part de la plateforme, si elle est mal informée, elle va déclarer ça en droit d'auteur dans ses traitements et salaires comme elle a le droit de le faire, alors que c'est pas ça. Et ce qui peut arriver, c'est que simplement elle cherche pas à déclarer. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mis le déclarer. Voilà. Vous avez dans telle case de la déclaration de revenus avec la capture d'écran, il faut le mettre là. Parce que les gens ils se posent pas ces questions et à la rigueur je comprends. Je suis un peu déformée par ma formation de juriste et d'avocate où je vois arriver les gens quand ils ont des problèmes. Mais je peux comprendre, l'écriture d'un bouquin, c'est, à part vraiment le guide pratique, machin, et encore, c'est un bouquin, c'est un truc qui vient des tripes. Donc on n'a pas envie de penser droit à ce moment-là, c'est assez normal. Ouais, mais simplement, le droit, il est partout autour de nous, on n'a pas le choix, quoi. Ouais, des fois, les gens cherchent simplement un lectorat et ouais. Des fois, ils ont du succès, ils ne s'y attendent même pas.
Oui, ou alors ils cherchent simplement à se demander si leur bouquin vaut quelque chose. Ouais, Et voilà. la démarche d'auto-édition, c'est pour dire, OK, toute ma famille m'a dit que c'était bien, mais bon, ils sont pas très objectifs, j'ai envie d'aller voir ce que le public en pense. Et ils partent souvent juste dans cette démarche-là. Oui, parce qu'Amazon donne l'illusion, par exemple, de rendre ça très facile. Et Oui. genre, en quelques clics, vous êtes publié, sauf qu'ils nous Oui, oublient de parler de tout le reste, quoi. mais exactement. C'est pour Et ça ouais. que. Et d'ailleurs, mon éditeur a approché les différentes plateformes d'auto-édition en ligne pour leur proposer de faire l'affiliation sur ce bouquin-là, D'accord. pour dire aux gens, bah, écoutez, voilà, nous on vous propose le service technique, mais sachez qu'il y a aussi d'autres impératifs juridiques derrière, parce que c'est là que se concentrent évidemment tous les gens qui ont envie de s'auto-éditer. Donc, je ne sais pas, il n'y a pas encore de réponse pour l'instant, mais ça pourrait être une bonne solution de dire aux gens, ben voilà, il y a un pas à pas qui est disponible et qui est là. Mais enfin, bon, grâce à ton interview, déjà, ils le sauront. Ouais, non, mais ben, j'espère que ça va aider beaucoup de gens. Et honnêtement, ouais, moi je le recommande parce que que ce soit l'un ou l'autre, voire même les deux, si vous n'avez pas encore décidé vers qui Ben, vous allez je crois que publier. voilà, peut-être ça peut même. J'ai deux, trois lecteurs qui sont Je pense revenus que vers même moi les en me deux, disant ouais, ben, c'est utile. merci. Voilà, merci. Moi, je n'étais pas du tout décidée sur ce que je voulais privilégier comme démarche. Ouais. C'est pas parce qu'on privilégie l'édition classique qu'on trouve forcément un éditeur, hein, Aussi, c'est pas ouais. synonyme. Mais parfois, les gens se disent, OK, je comprends mieux pourquoi il y a tant de différences. Mais il y en a un qui m'a dit, je voulais partir sur l'auto-édition et je m'aperçois que, d'une part, j'ai pas le bon statut, mais même ces démarches-là ne me tentent pas, même si elles sont bien expliquées. Je préfère finalement avoir quelqu'un qui fait tout pour moi, qui a un nom. Donc, je vais commencer par essayer de chercher un éditeur. Ouais. Mais voilà, au moins, ça permet, c'est pour ça que je les ai sortis en même temps aussi. C'est parce que les gens, soit ils ont bien réfléchi à leur projet et ils sont déjà bien avancés dans un sens ou dans l'autre, et ça peut au moins déjà attirer leur attention sur certains pièges à ne pas éviter si c'est pas trop tard. Soit ils ont leur livre, mais ils ont encore commencé aucune démarche, et ça leur permet justement en lisant les deux comme tu l'as fait là, ben bon, toi tu avais déjà ton premier livre qui était fait, mais certains ça leur permet vraiment de bien choisir leur direction dès le départ. Ça ne veut pas dire qu'après ils changeront pas de voie, hein, mais. Ouais. Et du Il y en a beaucoup coup, qui s'éditent d'abord chez des éditeurs et après qui font l'auto-édition ou inversement d'ailleurs. Donc, Donc selon toi, c'est vraiment, ça dépend des gens. Il faut vraiment oui. qu'ils aient déjà Et leur puis, idée dans la finalement, tête et qu'ils prennent les voilà, tenants et les pour. aboutissants pour faire leur choix entre les deux, quoi. Je crois, oui. Je crois que bah, déjà, de façon de manière générale, hein, pour n'importe quel projet qui prend un peu d'ampleur, autant déjà savoir où on va. Et il y en a qui n'ont peut-être juste pas l'envie de s'embêter avec la promo, machin. Et qui se rendent compte en lisant ça que s'ils veulent que la plateforme leur fasse une promo monstre, ben en fait ils n'auront jamais la même promo que chez un éditeur parce que la plateforme n'est pas là pour ça. Ah oui, non, à moins d'exciter l'algorithme d'Amazon en rentrant Oui, dans 30 voilà. ans. À part ça, Exactement. Voilà. voilà, Amazon Donc vous il y en a lancera qui ne pas se de sentent pas promo cette âme-là, s'ils qui n'y ont vont juste pas. envie. Enfin, moi je pense, j'ai de la famille qui a écrit aussi, ils sont pas très branchés Internet, c'est pas un truc qui pourrait leur convenir, l'auto-édition. Parce Ouais, non, que je vois, qui je vois. n'auraient pas cette envie et ce goût à promouvoir leur bouquin et à en parler partout et cette facilité à utiliser les outils actuels. Or, si on veut faire l'auto-édition, je crois que c'est incontournable. Ah oui, Si par non, contre on se dit, OK, moi j'écris mon bouquin et j'aurai à peine fini celui-là, tu me lancerais dans le suivant et la promotion ça m'intéresse pas, alors oui, partons sur l'édition classique s'il y a moyen, parce que ça correspond plus à la volonté des gens, mais ça, les gens ils s'en rendent pas toujours compte avant d'avoir commencé vraiment à tâter le terrain, quoi. Et peut-être que d'accord. si je parviens déjà, ne fût-ce qu'à les orienter vers quelque chose qui leur laissera déjà un bon souvenir, parce que leur première expérience éditoriale ne sera pas un fiasco, parce qu'elle correspond mieux à ce qu'ils veulent et à ce qu'ils en attendent, bah déjà le bouquin il servira à quelque chose, quoi. Oui, et puis en plus tu réconcilies un peu les gens avec le droit, parce que c'est vrai que quand on imagine le droit, on se dit, oh là là, il y a plein de formalités, c'est des textes abscons, c'est des trucs... C'est souvent le cas, hein, mais bon, Ouais. si j'arrive à les traduire, c'est bien. Et je pense notamment, ouais, tu sais, les gros bouquins là, de code civil et tout, avec les Ouais. parties qui défilent et tout ça. Et alors que là, non, pas du tout, c'est très didactique, c'est un parcours clair, même avec la petite checklist et tout Ouais. ça. Donc c'est vraiment parfait pour ceux qui veulent publier, mais qui souhaitent ne pas se planter finalement Voilà. et se retrouver après à vraiment faire des démarches beaucoup plus Ouais. lourdes derrière pour essayer En de fait, rattraper le truc, c'est quoi. un peu le même, à part la forme checklist et le parcours dont vous êtes le héros, mais c'est un petit peu la même démarche que ce que je fais dans les articles, là, tu sais, sur le site de mon éditeur, Peut-être où que tu peux chaque donner le semaine. site. Pardon? Peut-être que tu peux donner le site Oui, alors pour les ça gens s'appelle qui veulent voir. 29visedition.com.
D'accord. Donc ça, à la rigueur, tu le mettras peut-être en dessous Ouais, je le de mettrai aussi, ouais. là. En fait, c'est toujours le même éditeur, et 2 fois par semaine, je publie un article. Alors là, c'est du droit en rapport avec la photo, mais ça peut peut-être intéresser aussi certains de tes lecteurs. Et de manière générale aussi avec les droits d'auteur, hein, il y a beaucoup de choses qui concernent les droits d'auteur et les droits à l'image, donc ça concerne quand même aussi les agences de com, toutes les sociétés qui utilisent l'image pour leur promotion. Et c'est chaque fois là une jurisprudence commentée. Mais c'est-à-dire je prends une affaire qui s'est vraiment passée, j'explique les faits, j'explique, mais toujours de manière sur un ton, le même ton que celui que tu as vu dans les bouquins. Donc le but c'est vraiment de jouer l'interface et de traduire le droit pour que ça soit utilisable pour tout le monde. Et puis surtout, je termine l'article le plus souvent quand ça s'y prête par au moins, attention, pour pas que ça vous arrive, privilégiez telle ou telle démarche, ou privilégiez telle ou telle habitude. Habituez-vous à faire comme ça. Habituez-vous pour les professionnels à mettre ceci dans votre contrat. Ou pour ceux qui sont photographes amateurs, vous voulez utiliser l'image où apparaît une personne, mais habituez-vous à l'utiliser dans tel ou tel cadre. N'en faites pas ceci. Voyez? Et à partir du moment où les gens prennent l'habitude les gens qui sont abonnés ou qui achètent des articles à l'unité peuvent prendre l'habitude de lire les conclusions aussi, en disant, OK, ça, je garde à l'esprit, ça peut me servir, et je commence à avoir de temps en temps des retours de gens qui me disent, ah, merci pour cet article-là, précisément, parce que j'étais exactement dans la même situation, et grâce à vous, j'ai pu blinder un peu mieux mon contrat. Alors, c'est pas une science exacte, le droit. Ça veut pas dire qu'il y aura jamais de litige pour lui, mais ça veut dire que s'il y a un litige, déjà, ce sera mieux protégé. Peut-être qu'il l'aura complètement évité, ou au moins s'il litige il y a, il sera mieux protégé et il saura mieux se défendre aussi. Oui, il aura déjà eu Voilà, une il aura partie. les armes déjà pour, et aussi pour avoir l'attention attirée sur les situations qui sont conflictogènes, on dit chez nous, qui peuvent créer des conflits, et il y en a plein. Mais en étant juste un peu informé à la base, mais ma foi, moi j'en ai un, hein, des lecteurs même de mon blog. Alors, il y a le blog Droit et Photo qui lui est en libre accès, hein, où il y a déjà beaucoup beaucoup de contenus qui ont été publiés depuis 2009. D'accord. Et sur le site de 29 bis, là c'est un système par abonnement parce que c'est beaucoup plus fouillé, et surtout il y en a 2 par semaine, donc c'est du régulier. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit dans des salons de la photo, etc., où je fais des conférences, c'est ah merci parce que grâce à vous, au moins quand il y a un danger, je le sens. Déjà, si déjà je suis parvenue à ça. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils voient quand ils signent un contrat de cession de droit, par exemple, pour des photos? Combien je vais te payer? Voilà. Oui, mais il n'y a pas que ça. Et derrière la cession de droit, c'est combien de temps la personne va pouvoir utiliser les photos? Est-ce qu'elle va pouvoir les recadrer et les utiliser à n'importe quoi? Et quand des gens prennent la... Alors là, c'est beaucoup des photographes ou des utilisateurs d'images. Quand ils arrivent vers moi et qu'ils me disent merci parce que petit à petit, j'apprends à mieux comprendre quand il y a danger, bah déjà, je me dis chouette, j'ai servi à quelque chose. Ah oui, non, carrément. Parce que là où ils y vont à la fleur au fusil sans penser à rien d'autre qu'à la rémunération qu'ils vont toucher tout de suite, bah là ils apprennent au moins à lire le contrat, parfois à se dire ok, bon là je vais demander un conseil, je suis pas sûr. Et c'est bien. Ça c'est la prévention dont on parlait là avant de commencer l'interview. Si j'arrive à faire ça déjà pour certaines personnes, mais je me dis qu'ok, je perds pas mon temps quoi. Outre le fait que la matière m'intéresse, mais déjà attirer l'attention des gens sur le fait qu'il y a des situations où ils doivent écouter leur sixième sens qui leur dit à un moment, ouh là, pourquoi je signe ça là? Je suis pas sûre. Donc ok, je demande 24 heures de réflexion, je me fais conseiller pendant ce temps-là, et éventuellement je change un peu la clause si elle est mal faite. C'est parfois tout bête, hein, mais il vaut mieux faire ça que d'attendre 3 ans et d'avoir un litige après qui va coûter 6 ans de procédure, quoi. Ah oui, non, c'est clair. Ouais, comme quoi, ouais, mieux vaut prévenir que guérir, c'est Oui, vraiment mais c'est ça. comme pour tout, hein. Ça marche en matière de santé, qui n'est pas une science exacte non plus, et ça marche en matière de droit, parce que je suis persuadée que, allez, peut-être un tiers ou la moitié des litiges qui se retrouvent devant les tribunaux auraient pu être évités s'il y avait une bonne prévention en amont. Mais c'est pas encore dans la culture en France de faire de la prévention. Ouais, non, c'est nul n'est censé ignorer la loi, mais bon, Ouais, personne mais n'a la loi tombé est par tellement terre et compliquée, quand même, nous, parfois, on puis. l'ignore sur certains trucs, mais c'est vrai, Ah ouais. c'est compliqué, c'est parfois mal foutu. Si tu lis un jour le bouquin sur le photographe et son modèle, c'est une catastrophe législative, vraiment. C'est très très mal fait, on est dans une situation complètement absurde. Mais va expliquer ça aux gens. Les gens, ils ont tendance à empiler des lois les unes sur les autres, du coup, après, on sait plus trop. Ça, c'est déjà le côté législateur, ils ont plus pensé plus au modèle. Et puis après, les gens, ils sont découragés. C'est vrai, c'est déjà pas facile pour nous quand on les explique, pourtant on les manie tous les jours. Donc forcément, c'est pour ça que je suis contente quand tu me dis bah, on s'attendait à un truc aride, en fait c'est super facile à lire, parce que c'est vraiment ça mon but, quoi. Les gens, ils n'ont plus peur d'aller vers le droit, si le droit est bien expliqué, bah, il est facile à comprendre. Ah ouais, je pense que le but est atteint, en tout cas pour ce qui est de l'édition, l'auto-édition. Je pense que vraiment,
Enfin, c'est vraiment clair, quoi. En plus, le truc de la checklist et le sommaire avec la possibilité de se diriger vraiment sur les faits qui Ouais. intéresseront les personnes. Voilà. En plus, ça personnalise, c'est un livre général, mais ça personnalise à la fois parce que les gens, en fonction de leurs propres besoins, vont pouvoir aller à telle ou telle section. Ben oui, voilà. Et puis, en fonction de l'évolution du projet aussi, parce Ouais, que ce qu'on voilà. disait au début, Ouais, et puis si ça change, ils si peuvent on a toujours. besoin de, voilà, on peut très bien, sur l'auto-édition, on peut très bien lire le début au fur et à mesure qu'on commence à rédiger, attendre pour la suite, parce qu'on n'est pas encore au stade des formalités, puis hop, on reprend tout au moment où c'est le moment voulu. Le truc, il est tout fin, mais il peut être lu en 10 fois s'il faut, parce que, Ouais. au fur et à mesure que le truc avance, ben, l'auteur continue sa petite progression et puis il découvre au fur et à mesure ce qu'il y a à faire. Et... Non, mais c'est vraiment un très très faible investissement, ridicule, j'ai envie de dire, comparé à tout ce que on peut gagner derrière en temps et surtout en argent, notamment je pense aux redressements fiscaux Voilà. possibles. Ça, puis voilà, la façon de déclarer les impôts, Ouais. la façon de se protéger, hein. J'ai mis aussi du droit Ouais, d'auteur aussi, dans ouais. la partie sur l'auto-édition, c'est qu'est-ce qui se passe si quelqu'un vous pique votre contenu, Ouais. comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut démontrer, devant quel tribunal il faut aller si vraiment ça va jusque-là, qu'est-ce qu'on a le droit, ben, j'ai parlé du droit à l'image aussi, si vous voulez illustrer votre bouquin avec des photos où apparaissent des gens ou des biens, des biens immobiliers, qu'est-ce que vous avez le droit de mettre dans votre bouquin, expliquer pourquoi il ne faut pas reprendre certains contenus qui sont protégés par d'autres droits d'auteur. Enfin, j'ai vraiment fait tout le parcours du moment où on l'écrit jusqu'au moment où il est publié, où la première année fiscale est terminée et on recommence simplement l'aspect fiscal et revenus éventuels si ça marche la deuxième année. Voilà, progression un pas à pas où je prends le lecteur par la main puis apparemment il me suit, donc c'est cool. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc juste pour terminer, en fait, j'aimerais te poser une question qui est plus sur toi, mais vu que tu as Dis-moi. écrit déjà plusieurs livres, est-ce que je peux dire à mes lecteurs et à tous ceux qui nous écoutent quel a été le processus qui t'a conduit en fait à l'écriture? Parce qu'à la base, tu es En fait, juriste, ouais. avocate et tout ça. Et donc, ouais, comment tu en En es venu à fait, l'écriture? je crois que c'était ce goût justement pour la formation. Parce D'accord. que, en fait, le blog, je l'avais créé au départ, j'ai l'écriture, elle a commencé dans le blog, parce que je venais de me prendre un statut de photographe artiste. Donc pour officialiser un peu ma passion, on en parlait avant le début de l'interview, ce côté créatif qui pour moi est vraiment le contrebalancement, si j'ose dire, le pendant artistique de la rigueur du droit dans laquelle je suis toute la journée. Et j'avais besoin d'officialiser cette passion que j'ai depuis l'enfance, hein. Je fais des photos depuis l'âge de 11 ou 12 ans. Et en prenant ce statut de photographe, je me suis aperçue que c'était vraiment compliqué, le statut des photographes. Et donc, j'ai commencé pendant plusieurs mois à aller répondre à plein de questions sur des forums et tout, mais je passais un temps fou parce que je savais jamais où j'avais répondu à quoi, donc je retapais tout le temps la même chose. Donc le blog, au départ, je l'avais créé, c'était à l'automne 2009, pour juste centraliser mes infos. Comme ça, quand je répondais dans les forums, ben, j'avais qu'à renvoyer un truc central, quoi. Et en D'accord, fait, en faisant c'est ça, je me suis génial. aperçue que ça, voilà, ça répondait vraiment à un besoin. Et donc, l'écriture, elle est venue de là. Et après, des articles dans Compétences Photo, et après du premier bouquin. Donc, c'est marrant parce que le tout premier bouquin que j'ai fait, qui s'appelle Vendre ses photos, donc un gros pavé qui fait maintenant 500 pages sur le statut des photographes qui sont horriblement compliqués. En fait, ce bouquin-là, je l'avais déjà un peu pensé comme un livre dont vous êtes le héros. D'accord. Je m'en aperçois maintenant parce que je voulais faire un truc, mais qui était beaucoup plus difficile à mettre en page, en tout cas d'après l'éditeur à ce moment-là, pour un gros pavé comme ça. Et donc finalement, on avait abandonné l'idée, j'étais revenue sur un truc plus linéaire. Mais mon idée au départ, c'était vraiment ça, c'était un truc où on devait pouvoir passer d'un feuillet à l'autre, mais bon, bref, ça s'était pas fait comme ça. D'accord. Puis je l'ai laissé tomber pour reprendre des trucs un peu plus classiques. Et puis avec cet éditeur-ci, quand on a cherché ce petit format, comme on disait tout à l'heure, voilà. Et donc l'écriture, elle est venue de là, c'est vraiment, ça correspond, je crois, à mon envie que le droit soit plus préventif que curatif. Et qui servent à informer les gens. Moi, j'ai toujours beaucoup lu, hein, des romans, tout, depuis que je suis toute petite, et je continue, pas uniquement quand j'ai le temps, je continue tous les soirs, et ton bouquin, pour l'instant, il est entre minuit et 1 h du matin, c'est cool. Et donc, j'ai vraiment envie que l'écriture, elle serve à quelque chose. D'accord. Et j'aime bien écrire, c'est comme ça. J'écris beaucoup dans mes dossiers, parce que, il y a des conclusions, des mises en demeure, des machins, mais le côté écriture-formation, ça me plaît beaucoup plus. D'accord. Et c'est un créneau dans lequel je me sens vraiment bien, donc c'est pour ça que je te dis, il y en a plein, des projets qui arrivent, et voilà, juste que j'arrive à trouver l'organisation qu'il faut pour jongler avec les deux.
Alors, ça marche très bien à certains moments et à d'autres moins, mais voilà, c'est. Ouais, des fois c'est compliqué de trouver le temps pour écrire, mais bon, c'est pas impossible, contrairement à ce que Non, beaucoup de gens mais pensent. je crois vraiment, c'est dès le moment où c'est quelque chose qui passionne et en fait, ça rejoint bien les deux, c'est-à-dire que j'ai d'un côté l'aspect très artistique avec les photos, Ouais. et j'ai de l'autre côté l'aspect plus rigoureux et plus austère avec le droit. Déjà, j'ai fait rentrer la photo dans mon cabinet, c'est très bien. Et puis, si maintenant j'arrive à remettre un peu de fun dans les enseignements juridiques, ben, ma foi, je suis contente parce que ça boucle un peu le système, quoi. C'est vraiment l'interface entre les deux, et autant quand je suis devant un magistrat, je vais expliquer la photo, expliquer ce que c'est que les exigences d'une photo, pourquoi une photo est originale, parce qu'on a mis une faible profondeur de champ à cet endroit-là. Donc je vais plutôt faire l'interface qui explique la photo à un magistrat, et si je peux expliquer le droit au photographe et ici à tous les auteurs, parce que j'ai élargi, ben tant mieux, moi je suis contente, je suis vraiment, voilà, rôle de traducteur, quoi. Je reste dans la même langue, mais c'est pas les mêmes techniques, et si j'y arrive et que ça plaît parce que c'est compréhensible, ben, ma foi, je suis contente, quoi. Ah ouais, j'imagine Et tout à fait. quand je fais des conférences au salon de la photo et qu'il y en a qui viennent dire, ouais, merci, grâce à vous, je comprends, yes, ça fait du bien, quoi. C'est chouette. Ça fait toujours de plaisir de voir que ça aide les gens en fait. Ouais, exactement. Et puis, j'aide les gens par le contenu en me faisant plaisir, moi, parce que c'est la forme de transmission que j'aime le mieux, l'écriture. Alors, D'accord. pour l'instant, j'ai commencé quelques romans, mais pour l'instant, ça n'a jamais été très loin parce que peut-être que j'ai pas soit pas l'état d'esprit, soit pas l'imagination qu'il faut. Mais cette forme d'écriture-là me plaît parce qu'elle a un côté créatif quand même, justement, dans la forme, et en même temps, un côté rigoureux qui est la traduction de ce que je mets en pratique tous les jours dans mes dossiers. Donc, voilà, si ça peut parvenir à aider les gens à pas avoir de litige et à ce qu'ils s'intéressent au droit avant que le droit s'intéresse à eux, ben, c'est pas plus mal, quoi. Après, c'est vrai que les romans, c'est un peu différent dans Oui, la c'est pas manière de exactement la faire, chose. mais c'est Ouais. quand même, après, les mêmes grands principes s'appliquent de toute façon pour ce qui est fiction et non-fiction. Donc, Oui, mais j'imagine, je pense que c'est tu devrais après. te lancer, tu devrais tester. Non, mais j'abandonne pas l'idée, c'est juste que chaque fois que j'ai commencé, je m'apercevais que c'était plutôt l'autopsychanalyse et que ça n'avait pas intéressé grand monde. Et donc, je crois que j'ai pas pour l'instant, ça viendra peut-être, l'imagination ou le temps de consacrer du temps à chercher une Ouais. trame qui vraiment me revient. Ok. Je sais pas si mon style plairait à tout le monde, mais je crois que on va dire, le fait d'écrire, ça coule relativement pas mal. Mais il faut surtout que je trouve quelque chose qui soit susceptible d'intéresser les gens, quoi. C'est surtout ça, pour l'instant, au côté romancé, hein. D'accord. Pour l'instant, j'arrive pas à aboutir dans cette démarche-là, mais ça viendra peut-être. Oui. Si Bon, et puis bon, je pouvais t'as. consacrer plus de temps à l'écriture, Ouais. peut-être qu'à un moment, naturellement, ça arriverait, quoi. Et puis bon, t'as déjà beaucoup de Oui, projets, voilà, beaucoup je de suis comme belles tout heures le à monde, j'ai l'heure. 24 heures dans une journée et j'ai une famille, j'ai deux métiers, deux enfants et Ouais. voilà. Et Et je veux t'arrives à garder du temps pour concilier tout faire ça. la photo aussi, quoi. Donc, Et t'as même le temps de faire des interviews. ouais, mais ça c'est sympa, ça fait partie du boulot. Alors là, je suis pas auto-édité pourtant, mon Ouais. statut me le permet pas, mais ça fait partie du boulot sympa et puis j'aime bien les rencontres, alors c'est Non, mais c'est vrai que c'est très cool. Et du coup, juste, est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'écriture, Des globalement? conseils sur l'écriture elle-même, je ne sais pas, parce que je ne suis pas sûre que ce soit une bonne réponse. Enfin, je suis pas, j'ai pas de conseils à donner à quelqu'un qui écrit un roman, une BD, un truc moins ardu que du droit. Moi, je crois qu'il faut trouver plaisir, en fait. D'accord. Et dès le moment où on écrit parce qu'on nous a dit qu'il faut écrire ou parce qu'on nous a dit fais au moins ça, pour moi, ça ne marchera pas. L'écriture, enfin, tu l'as vu dans ton roman, c'est un tel investissement de soi, une Ah telle oui. énergie, que je crois pas qu'on puisse faire ça autrement que par passion. Après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des auteurs qui écrivent autrement que par passion, mais j'en ai pas encore rencontré, et ça c'est sûr. En tout cas, moi, j'y arriverai pas. Mais c'est vrai que même quand on est passionné, parfois il y a des moments qui sont difficiles dans Ouais, l'écriture. et puis on se dit, bon, je suis bloqué, j'arrive pas à avancer, c'est sûrement le cas encore plus pour un roman que pour moi, parce que moi, quand je suis bloqué sur un truc, bah, c'est parce que j'ai pas assez cherché et que la réponse, je vais la trouver ailleurs qu'au fond de moi. Je vais la trouver dans mes bouquins, dans ma jurisprudence, donc je suis bloquée, mais tant pis, je bosse plus et je trouve. Mais dans une démarche créatrice, comme pour un roman pour toi, si t'es bloqué, c'est plus embêtant encore. Il faut aller chercher en toi l'inspiration qui va faire que tu vas avoir peut-être envie de te relancer à fond, ou bien que tes lecteurs se lâchent pas à cet endroit-là.
Et ça, c'est beaucoup plus difficile que ce que je fais à ce niveau-là. J'ai encore la part facile parce que mon contenu, il est ailleurs qu'au fond de moi, quoi. Mon contenu, il est dans la loi, dans la jurisprudence. Même si je dois le mettre en forme et que la forme dépend de moi et le fait d'arriver à le rendre accessible, voire agréable à lire, ça, c'est mon travail à moi, ça, c'est sûr. Mais si je suis bloqué, en général, c'est pas cette partie-là qui bloque. L'écriture, chez moi, ça va tout seul. C'est le contenu qui pose problème parce que techniquement, je suis dans une impasse. Ça va pas être pareil pour un écrivain. C'est pour ça que je crois que le romancier ou le dessinateur, le scénariste de BD ou le dessinateur de BD, ça vient tellement plus de leur trip que je suis pas sûre de pouvoir donner un bon conseil, sauf de le faire par passion et peut-être. Ah, mais c'est déjà un très bon conseil. Ouais, mais peut-être aussi de se dire parfois, ok, j'accepte d'être bloqué, et puis ça va se débloquer tout seul après. Mm-hmm. Alors peut-être que ça correspond à ma façon de travailler, où je travaille beaucoup à l'instinct. Ouais. Peut-être que certains sont plus rigoureux, ils vont se poser des horaires de travail tous les jours de telle heure à telle heure. Ça, je crois qu'il y a certains écrivains qui font ça. Ouais, je pense, ouais. On dit que si un jour t'es pas dans le mood pour écrire, c'est pas parce que t'as un horaire que ça va aller mieux. Enfin, en tout cas, moi, ça irait pas mieux, quoi. D'accord. S'il y a un truc qui te tracasse et que tu n'arrives pas à écrire à cause de ça, t'as beau avoir fixé tes horaires, tu vas juste t'énerver un peu plus longtemps sur ta page blanche. Je suis pas sûre que ça marcherait. Mais ça, je sais pas, c'est peut-être tellement personnel, peut-être que d'autres vont fonctionner tout à fait différemment. Je sais pas toi d'ailleurs, si t'es bloqué, tu fais quoi? Non, moi c'est... Ben, ça dépend, des fois j'ai des périodes où du coup je vais pas du tout écrire, ça m'arrive. Mais sinon, en général, j'essaie quand même d'écrire tous les jours. Et en fait, le fait d'écrire tous les jours et de savoir que je vais écrire, et c'est encore plus facile si j'ai un moment fixe. Ouais. Parce que moi aussi, en fait, je fais beaucoup de trucs à la fois. Moi, j'ai vu, il y a tout plein. Je suis chercheur, donc tu vois, j'ai le blog, voilà, j'écris des bouquins, je fais de la peinture, comme tu peux voir derrière. Ouais. Donc, ouais, c'est. Et puis là, je suis à New York, donc je découvre un peu la ville. Mm-hmm. Mais du coup, pour concilier tout ça, en fait, moi, ça m'aide d'avoir un moment fixe. Admettons qu'un jour dans ton horaire fixe, t'y arrives pas. Ça va pas, ou t'es tracassé par un truc, ou t'as juste pas d'idée, tu fais quoi, tu t'arrêtes, ou tu continues avec quelque chose. J'écris, mais sinon, soit ce que je fais, c'est que je passe sur une autre section. Ouais. Parce que ce que je fais, moi, c'est que j'imagine d'abord l'histoire, en fait. Je trace les grandes lignes, et après, du coup, j'ai vu que t'avais fait des fiches, ou je sais pas quoi, là. Ça, voilà. Et j'aime bien avoir les fiches, parce que, en fait, je vois quand je finis les chapitres. Je vois le tas qui diminue. Et c'est pas que tu devrais faire la trame de ton truc sous forme de checklist. Ouais. Ouais, je pourrais, ouais. Mais d'ailleurs, c'est souvent des checklists, mais pour les autres choses de la vie. Et tu sais, moi, je fonctionne beaucoup comme ça avec le mind mapping. Ouais. J'ai un logiciel et en fait, la trame de tous mes bouquins. Ça, depuis longtemps, par contre, bien avant de commencer le checklist, la trame de tous mes bouquins, je la fais d'abord et j'ai un dossier de mind map comme ça par bouquin qui sont en projet. D'accord. Parce que je sais dans ma tête au moment où j'imagine le bouquin en me disant oh et chouette ça va être un bouquin que je pourrais faire, dans ma tête j'ai déjà les grandes lignes et donc je vais déjà mettre les chapitres principaux, les sections principales et l'avantage c'est que chaque fois que je vais dépioter une jurisprudence, j'en ai une que je viens d'imprimer là juste avant que qu'on commence, et bien non seulement je vais en faire un article dans Jeune Image là sur le site de l'éditeur. Mais en plus, si elle va à un endroit précis d'un bouquin dont j'ai déjà imaginé la trame, j'ouvre directement le logiciel de mind map et je vais directement noter, ok, référence machin, article, jour, image de telle date. D'accord. Parce qu'au moment où je vais écrire le bouquin, au lieu d'avoir à rechercher chaque fois où j'en ai parlé, j'aurai directement, alors là c'est plutôt le côté rigoureux du droit, mais j'aurai directement tous les endroits où j'ai déjà parlé de ça parce que je les ai déjà répertoriés. Et à certains moments, d'ailleurs, le bouquin, il existe déjà en Word ou autre chose. Mm-hmm. Et je vais même carrément reprendre des paragraphes de l'article isolé que j'ai fait pour le coller dans le bouquin. Et après, je fais les raccords pour que les paragraphes s'enchaînent bien avec les autres. Ah, c'est une bonne stratégie. Ouais. Je pense que tu gagnes en efficacité. Et du coup, Ouais, j'avais fait un article, je t'enverrai le lien là-dessus, où j'expliquais ça avec une mind map d'un bouquin, un gros bouquin que j'ai préparé, mais qui va encore prendre du temps, qui lui, justement, est très très long. Ce ne sera pas un checklist, justement, ce ne sera pas possible. Mais où j'ai vraiment, et chaque fois que je fais un truc qui correspond au bouquin, hop, je vais directement le noter au bon endroit. D'accord. Et donc, je gagne du temps après en écrivant, parce que quand je vois que j'arrive à un moment où il me reste plus qu'à mettre la théorie autour et j'ai déjà tous les exemples de la jurisprudence que j'ai déjà répertoriés au bon endroit, et en fait, le reste va tout seul. Ah oui. Moi, je sais dans ma tête ce que je veux écrire, les exemples sont déjà là, donc j'ai plus à les chercher. L'appui, fait à tout. J'ai plus qu'à les articuler entre eux par quelque chose qui tient bien, quoi. Ouais. Et bon, ça, de nouveau, c'est ça, c'est propre au droit. C'est pas forcément
transposable pour un roman. Enfin, si, pour un roman, moi, honnêtement, je vous recommande aussi aux gens de faire des mind maps ou au moins un petit brainstorming avant pour avoir l'idée générale d'abord et ensuite, à partir de l'idée générale, développer toutes les parties de D'accord, oui, l'histoire donc tu peux pour écrire ton faire une roman dans le trame. désordre aussi, en fait. Ouais, tu peux l'écrire dans le désordre. Ouais. D'accord. D'ailleurs, tu peux la sauver, là, je ne l'ai pas forcément écrit dans l'ordre. Ah oui. Ouais. Et tu vois que c'est marrant parce que mes autres bouquins, par exemple celui-là, ou les deux autres, là, chez le premier éditeur, vendent ses photos et droits à l'image, c'est des plus gros bouquins que j'ai très souvent écrits dans le désordre. Et très curieusement, les checklists, je les écris dans l'ordre. Ah C'est peut-être moi qui suis le contrat, c'est peut-être moi qui ai l'esprit de contradiction, mais en fait, du fait que je passe beaucoup de temps au début à créer ce schéma, ouais. bien en réalité, après, ça vient plus facilement dans l'ordre. Alors que Oui. pour les autres, c'était des gros bouquins où je ne savais pas toujours exactement où j'allais. Eh bien, je prenais, ok, j'ai un quart d'heure, ça vaut pas la peine de commencer un dossier, allez, je vais aller vite compléter cette petite section-là qui est autonome et que je peux faire toute seule. Et donc, je complétais, là, j'écrivais complètement dans le désordre. Alors, après, évidemment, tu relis tout pour que ça soit bien lié. Mais tu vois, paradoxalement, j'écris checklist quasiment dans l'ordre, à peu de choses près. C'est rare que Mais j'anticipe. c'est marrant ce que tu dis parce que moi c'est exactement la même histoire. C'est que avant j'écrivais des trucs décousus et en fonction de mes idées ou des scènes qui me venaient. Et après quand je me suis mis à vraiment et les livres je les finissais pas. Je les arrêtais à la moitié. Et après quand j'ai commencé à changer de stratégie, à me faire déjà un plan avec toutes les idées et tout ça, du fait que j'avais donc tous les chapitres à disposition prêts. Je pouvais totalement les écrire dans le désordre, mais la plupart du temps, ce qui La trame arrive, était déjà faite, quoi. c'est que je C'est l'écris arrivé dans derrière. l'ordre parce que j'ai déjà toute la trame en tête et je l'écris dans l'ordre et ça coule. Et Ouais. les moments où j'écris dans le désordre, en fait, maintenant, c'est des Parce que chapitres si où t'as des une fois idée, tu veux j'arrive pas la lâcher, et quoi. C'est où, quelque chose. ouais, et c'est des chapitres où sur le moment je m'y mets et ça me plaît pas, je le sens pas ou quoi. Et du coup, pour pas non plus perdre mon temps ou pour avoir cette angoisse de la page blanche ou quoi, Ouais. ben là, je switch sur un chapitre plus lointain. Je D'accord. l'écris, voilà, et après, à un moment donné, je reviens sur l'autre. Des fois, j'y reviens même carrément qu'à la fin. Ah ouais. Donc, ouais, des fois, je laisse des petits trous comme ça au milieu, et Après, après, ça je t'arrive repars. souvent d'effacer ce que tu as écrit pour recommencer complètement? Non, mais j'efface pas très souvent, en fait. J'efface pas très D'accord. souvent. C'est, par exemple, ce que tu es en train de lire, là, tu peux la sauver, c'est quasiment un premier jet. Ah ouais. Ouais. Bah, c'est, en tout cas, c'est, ça fait tout seul, ça régale. Et, ouais, et j'ai fait très peu de modifs, j'ai fait... Les seuls modifs que j'ai faits vraiment, c'est sur les tournures et tout, parce que le fait d'avoir un plan, en fait, ça donne Ouais. de suite de la cohérence. Et donc, du coup, à la fin, quand j'ai terminé le bouquin, le premier jet, il y a très peu d'incohérences. J'ai dû revenir peut-être une ou deux fois sur un souci de date ou un truc comme ça, Ouais. mais Et vraiment tu l'as juste fait deux lire à fois. combien de personnes avant de le publier pour avoir, tu sais, le premier retour, déjà correction Ouais. d'orthographe ou vérification Alors, ou... celui-là, j'ai un autre roman, en fait, donc, qui lui a fait le tour des maisons d'édition. Et Ah qui est revenu tout penaud, les fois il revenait, il ouais? finissait pas au pilon, déchiqueté ou brûlé. Mais celui-là, je l'avais fait lire à pas mal de monde, je l'avais fait lire à une quinzaine de personnes avant, Ah, une c'est fou, hein? vingtaine. Parce que celui-là, il est vraiment particulier, donc je voulais avoir l'avis de beaucoup de gens différents. Et tu peux la sauver, non, je l'ai fait lire, je pense, à peut-être 5 personnes avant de le publier. Et comme les retours étaient excellents, Ah bah, en tout cas, les 100 premières pages, c'est top. Donc, la suite ne Ouais. va pas être mal non plus, je Et crois. même là, mes lecteurs, ils ont. Tous les lecteurs, souvent j'ai des. Bon, il y a un peu plus de 50 commentaires maintenant sur Amazon. Mais en plus de ça, je reçois régulièrement sur Facebook des commentaires des gens. Il y a des gens qui me contactent et tout. Une fois qu'ils l'ont Ah, vu, ils c'est me disent que ça plaît et tout ça. Donc, ouais, j'ai. C'est quasi unanime. Donc, ça me fait très Il y plaisir. a un truc qu'on peut peut-être dire d'ailleurs, c'est que seulement à propos d'Amazon, les commentaires sous les livres sont très importants. Ouais, ça Parce c'est que très clutch. d'une part, bon, ils vont influencer les lecteurs pour acheter, mais c'est même pas ça, c'est qu'Amazon a une gestion des litiges qui fait que si jamais il y a un litige parce que quelqu'un a pas reçu sa commande ou je sais quoi, avec un acheteur, le fait d'avoir des commentaires déjà positifs peut changer tout à fait la façon dont Amazon va traiter un litige. Donc D'accord. c'est vraiment très important pour les lecteurs en général. Ça, c'est mon éditeur qui me l'a expliqué il n'y a pas longtemps. C'est que voilà, n'hésitez pas si vous avez aimé un bouquin à aller faire un petit commentaire sur Amazon. C'est vraiment important parce que justement pour les auteurs auto-édités comme toi, ça va aussi déterminer le succès d'un bouquin et la façon dont il va être pris au sérieux par Amazon ou par sans doute n'importe quelle autre plateforme d'auto-édition. Ah oui, clairement. Ouais, Et puis même, donc c'est... c'est important pour que les lecteurs sachent qu'ils peuvent aussi encourager l'auto-édition en ayant ces deux petites minutes de
pour aller mettre un commentaire sous un bouquin et que ça permet aussi déjà un meilleur référencement parce que de fil en aiguille, la plateforme va le mettre en avant aussi. Et donc, si les gens aiment un auteur, ben, qu'ils n'hésitent pas à aller le dire quand ça prend 3 minutes. C'est pas plus long que d'aller faire un petit coucou sur Facebook en remerciant, en disant chouette, j'ai passé un super moment. Ah, ben, prenez le temps d'aller faire un petit commentaire sur le bouquin. C'est à l'heure où la promo se fait essentiellement par Internet, c'est un petit coup de pouce super utile, quoi. Ouais, en général, il y a à peu près une personne toutes les 100 ou 200 ventes qui. Ouais, alors que s'il y avait une personne sur deux qui allait faire un commentaire, ben, ouais, déjà. Ça serait totalement différente. Ouais. Ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je le dis pour toi, je le dis pour moi, mais pour tous les auteurs auto-édités. Ouais, clairement, ouais. Faut aller faire des commentaires. Faut laisser des commentaires. Après, on peut dire un commentaire en disant oui, je suis pas trop rentré dedans, mais en même temps, c'est ceci, c'est pas la peine d'être. Faut pas être faux, quoi. C'est pas la peine d'encenser pour le plaisir. Ah ouais. Mais le fait d'avoir des commentaires fait que ça va alimenter la machine et que le référencement de l'auteur va se faire de mieux en mieux, quoi. Qu'ils soient auto-édités ou pas d'ailleurs, hein, parce que c'est pareil, c'est bien. Visibilité, ouais. Ouais. Exactement, ouais. Donc voilà, vous qui aimez les livres, pensez aux auteurs et vous pouvez donner un petit coup de pouce super facile et voilà. Ouais. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Il n'y a plus qu'à lire maintenant. Ouais, c'est ça, il n'y a plus qu'à lire. Donc, ouais, ben merci beaucoup pour cette interview. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous dire donc où est-ce qu'on peut te retrouver exactement, donc par exemple sur ton blog. Alors, je vais te donner tous les liens après. Hein. Il y a mon blog Droit et Photographie. D'accord. Pour les deux livres dont on a parlé maintenant et les trois autres en fait qui sont sortis chez cet éditeur-là, il y a Photographe et son modèle, il y a Checklist Photographe de mariage et il y a aussi une grosse compilation mais qui est les plus chères sur tous les articles publiés sur Jury Image en 2015. Donc, ouais, ça regroupe tous tes articles. C'est quand même 550 pages. Ouais. Mais voilà, ça se lit agréable, hein. C'est des articles sur le même ton que là, c'est chaque fois des petites histoires séparées, donc ça, on peut en lire 3 un jour et puis revenir 4 jours plus tard, on n'a pas perdu le fil. Ouais. Donc ça, c'est 29bisédition.com. D'accord. Après, j'ai une page Facebook, enfin j'ai plusieurs pages Facebook, il y en a une qui s'appelle Droit et Photographie, mm-hmm. et il y en a une qui s'appelle Joël Verbrugg, mes livres. Okay. Donc là, tous ceux qui veulent savoir tout ce que je publie à droite à gauche peuvent me suivre par là. L'éditeur vient de créer une page Facebook Checklist, justement. Mm-hmm. Donc, collection Checklist. Bah, je te donnerai tous les liens. Ouais. Voilà, il y a de quoi me suivre partout, Twitter. Partout. Donc, ouais, tu es vraiment. Surtout. Voilà, muscle et réseau. Ah, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut, de toute façon. C'est bien, ça apporte de la valeur un peu dans des domaines différents à tout le monde. Donc Mais ça apporte un côté humain aussi. Alors, le mauvais côté, c'est que les gens ont tendance à confondre présence sur les réseaux sociaux et entreprise philanthropique et consultation juridique, hotline gratuite 24/24. Ouais. C'est parfois la limite qu'il faut poser et que peut-être que je dois encore apprendre à ce niveau-là. mais sinon, ça donne aussi un côté humain et ce côté-là fait que les gens, peut-être aussi, n'ont pas peur de lire un livre de droit. Parce qu'ils ont vu que la personne qui l'avait écrit est accessible et accepte aussi de. Voilà, ne se prend pas pour ce qu'elle n'est pas, et puis simplement accepte de répondre à certaines questions et de communiquer normalement, quoi. Mm-hmm. Je crois que ça fait partie peut-être un peu du succès de ces bouquins-là, ceux-ci comme les premiers, hein, les premiers chez le premier éditeur, c'est que d'abord, pour ce qui est du monde des photographes, j'en fais partie aussi. Donc ils disent si c'est une photographe elle doit pas parler chinois, on va peut-être essayer. Ouais. Et puis en plus le fait que je communique et j'ai jamais considéré qu'écrire un bouquin sortait quiconque de la norme. Et dès ce moment-là, on fait partie d'un monde, on communique avec. Comme, voilà, la communication, moi j'aime bien. Donc c'est pour moi Internet c'est un outil extraordinaire. Je mets rien qui concerne ma vie privée dessus, mais c'est un outil de communication et de promotion en général extraordinaire. Mm. Si on l'utilise bien, voilà. Et puis sans ça, j'aurais pas découvert ton bouquin, on serait pas en train de bavarder. Voilà. Donc, non, mais comme quoi, c'est. Ouais, non, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi là-dessus. Internet, c'est vrai que maintenant, c'est presque incontournable, quoi. Et ça aide vraiment à communiquer, à entrer en communication avec. Et puis, ça sert à créer des espèces de réseaux de gens qui ont les mêmes motivations, qui ont les mêmes passions, qui ont envie de parler des créations des autres. Et de fil en aiguille, ça se passe bien parce que finalement tout le monde est gagnant sur un investissement qui est pas grand chose, hein, une connexion, un peu de temps et le plaisir de discuter, c'est quand même tellement agréable. Alors c'est forcément encore plus agréable en vrai, mais en même temps on fait des rencontres qu'on n'aurait pas fait autrement. Et voilà, moi j'ai découvert ton bouquin, toi t'as découvert les miens, tes lecteurs vont découvrir les miens et puis peut-être que ça va les aider, ils auront envie d'aider d'autres personnes
Voilà, c'est tellement simple, quoi. Ah ouais. Ah, c'est clair. Ouais, et puis bon, on peut même discuter à 7 000 km de distance. Voilà, exactement. Ah non, mais c'est très cool. Bon ben, merci encore Ah, merci à pour toi, hein, cette c'est interview. sympa. Voilà. Puis bon, moi je vais aussi parler un peu de mon blog, donc écrivain en devenir.com. Donc il y a des Ouais, d'ailleurs, articles. c'est le sérieux de ton blog qui m'a dirigé vers toi, hein, je peux te le préciser. Ah ouais? Parce que c'est en lisant tes articles, le premier mail que j'ai envoyé, d'abord, j'ai commencé par lire tes articles. D'accord. Même si le blog on voit qu'il commence, il n'y a pas encore énormément d'articles, mais Ouais, c'est ouais. tellement fouillé, précis et clair que c'est ça qui m'a donné envie de prendre contact. Donc, D'accord. allez-y, parce que C'est pour moi, c'est super. un petit blog qui va aller loin. Merci, merci pour ces encouragements. Donc voilà, écrivaindevenir.com et sur le site d'ailleurs, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide Comment écrire son roman et être certaine de le terminer, juste en le C'est ça que je veux lire téléchargeant. en fait, pour interroger Ouais. mon roman que j'ai pas encore commencé. Ah oui, mais eh ben, tu verras, je parle de brainstorming, de faire un plan. Donc Ouais. autant, ça va peut-être te Ouais, mais plaire. pour faire un plan, il faut d'abord une idée. C'est l'idée de Ouais, départ que trouver j'ai pas l'idée, donc. ouais. Je le couvre aussi un peu. Parce que c'est vrai que c'est un peu différent de la manière de trouver ses idées pour les romans. Ben oui. Bien sûr. Et puis ouais, j'ai plein d'idées, mais c'est pas forcément des trames qui pourraient changer un roman, donc bah, ça viendra peut-être, je désespère pas, mais. Ouais. Ok, bon ben, merci encore. Merci, c'est très chouette. Merci encore et puis bon, peut-être à une prochaine fois pour de nouvelles sorties ou Ben voilà, de nouvelles actualités. oui. Le prochain, quoi que il pourrait intéresser, mais c'est plus dirigé vraiment en photo. D'accord. Il sera pour les entreprises qui veulent utiliser des photos, des contenus visuels pour leur communication. Donc là, je change d'angle et je ne mets plus du côté des photographes, je mets du côté des utilisateurs. D'accord. Le suivant sera aussi pour les photographes plutôt, mais peut-être après dans les suivants. Donc ça va venir. Ok, ça roule. On prend Ouais. note. Ok. Bon, ben, merci Joël pour cette interview. Merci à Et toi. voilà. Et merci à tous de nous avoir suivis sur cette interview. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bye.